Bonjour à tous et bienvenue dans les petites créations de la ruche. Aujourd'hui, je vais vous présenter le swap que j'ai réalisé lors de notre dernière réunion d'équipe. Donc, nous étions 35, donc j'en ai fait 35. C'est une petite carte shaker. Vous voyez, les petits cœurs peuvent passer d'un côté et de l'autre. Et comme c'est un sablier, en fait, j'ai souhaité qu'il tourne. Donc, en fait, comme un vrai sablier, vous le retournez. Et les grains s'écoulent. La carte s'ouvre et à l'intérieur, j'ai mis un petit mot à chacune. Voilà. Pour réaliser mes swaps, j'ai utilisé la collection avec les tampons Time Together. En fait, j'ai repris ces deux tampons pour l'intérieur de ma carte. Et avec les poinçons, notre temps ensemble. Pour réaliser cette carte, il vous faudra du cardstock de couleur d'une taille de 25,2 sur 7,9 cm. En fait, peu importe la couleur, vous pouvez choisir dans ce que vous avez chez vous. Le tout étant d'assortir à un moment donné. Donc, ce qui est bien avec Stamping Up, c'est que les stamping bent, les feutres à colle, les tampons encreurs, tout est assorti. Donc, vous pouvez faire quelque chose de coordonné. Ensuite, vous pouvez prendre quatre cardstocks, soit blanc, soit comme moi, là, cette fois-ci, très vanille, qui mesureront 12 cm sur 7,3 cm. Ensuite, j'ai pris un morceau de carton plume que j'ai trouvé en papeterie. Donc, vous voyez, c'est ce carton avec de la mousse à l'intérieur, un petit peu épais. Donc, peu importe l'épaisseur, ce que vous trouvez ou ce dont vous avez envie. Et mon morceau de carton plume, il mesure 11,8 cm sur 7,1 cm. Ensuite, j'ai utilisé deux morceaux de papier fenêtre. Donc, il existe du papier de fenêtre uni. Mais là, j'ai utilisé celui qui est actuellement au catalogue annuel. Donc, il s'agit du papier design. Célébration en or. Donc, effectivement, il y a un côté où les petits dessins dessus sont en or. Mais si vous le retournez, c'est argenté. Donc, moi, sur ma carte, j'ai décidé de mettre le côté argenté pour qu'on puisse voir. Voilà. J'ai également utilisé un morceau de cardstock. Bon, ça peut être du marron, du gris. En fait, la taille, il faut pouvoir découper les deux tours de sablier dedans. Donc, voilà. J'ai également utilisé les attaches parisiennes rondes et carrées. Alors, j'ai utilisé, pour, en ce qui me concerne, les toutes petites blanche, je vous la sors, voilà, celle-ci, que j'ai colorisée avec un stamping blend. Kiwara gaufrage 3D, mot usé par le temps. Il vous faudra bien sûr des blocs à tampons, des blocs acryliques à tampons, le coupe-papier, des ciseaux, du sparadrap double face, de la colle, des doigts encreurs et également, vous savez, les brossettes, les petites brossettes pour colorer le papier embossé. Donc, pour réaliser cette carte avec vous aujourd'hui, j'ai utilisé la couleur Oasis d'Orchidée. Pour commencer, je prends donc mon cardstock de couleur qui mesure 25,2 cm sur 7,9 cm et je marque un pli à 12,6 cm. Et je forme tout de suite ma base de carte, hop, en marquant bien le pli avec le plioir en os. Voilà. Comme je vous disais, je prends l'encre assortie, donc Oasis d'Orchidée. Et je viens tamponner dans deux coins opposés mes deux petits tampons. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, c'est une idée.
Alors, j'ai choisi de faire un tamponnage deuxième génération. Donc, un coup sur mon brouillon, un coup sur ma carte. Donc, évidemment, le tampon, vous le réalisez sur un des rectangles de papier blanc ou, si vous souhaitez faire comme moi, très vanille. Ensuite, avec le tampon encreur, je vais ancrer les côtés de ma petite carte et je vais tamponner légèrement sur les coins où il y a les tampons. Voilà, ça habille d'un rien votre petite carte où vous pouvez écrire dès maintenant le message ou le faire après. Mais en tout cas, on peut d'ores et déjà le fixer à l'intérieur de notre base de carte avec de la colle. Donc je prends mon morceau de carton plume de 11,8 sur 7,1 cm. Donc je place mon sablier au milieu. Vous pouvez mesurer pour être plus précise. Voilà, bon, on voit à peu près. Et ensuite je trace sur les côtés du sablier en commençant dans ce coin. Pareil de l'autre côté. Et je m'arrête ici. Si vous regardez, mon sablier n'est pas entier. Et avec une règle en fer, je relie les points. Voilà. Et c'est cette forme-ci qu'il va falloir découper. En fait, je le fais un peu plus large que mon sablier, donc en découpant les bordures au-delà du trait de coupe, pour que ma partie en carton plume ne se voit pas à travers le papier fenêtre. Et ensuite, je découpe au cutter. Donc, pour le premier trait droit, j'utilise ma règle et je découpe. Il n'y a pas besoin de beaucoup appuyer. Il vaut mieux repasser plusieurs fois que d'appuyer fort. Et je vais utiliser une plaque verre, un tapis de découpe, vous savez, vert, de façon à ne pas abîmer ma lame, ni ma feuille de travail. Clairement, c'est pas grave si vous allez un peu plus loin que votre trait tracé. Alors, et regardez ici au niveau du rétrécissement du sablier et de façon à ce que mes petits cœurs puissent passer plus facilement lorsque je retourne ma carte. Je découpe mon carton plume un peu plus large. Alors là, vous voyez, j'ai arraché légèrement mon carton plume, mais c'est tout simplement parce que je peux pas approcher ma tête et bien me pencher au-dessus de mon travail pour pas gêner le champ de vision de la caméra et que vous puissiez bien voir ce que je fais. Mais vous, si vous faites ça tranquillement, sans appuyer, en regardant bien, vous ne devriez pas avoir ce problème. Ceci dit, ça ne se verra plus. Vous obtenez un sablier en carton plume avec une chute que vous pouvez garder pour éventuellement refaire autre chose.
Ensuite, avec un feutre, un stamping blend bleu. Là, j'ai pris plus clair, mais vous pouvez prendre exactement la même teinte que votre carton plume. Je colorie les tranches de mon carton plume. Comme ça, elles se verront encore moins si les gens penchent ma carte. À l'extérieur. Ensuite, vous pouvez prendre deux autres de vos rectangles, soit blanc, soit très vanille, et on va les superposer pour découper le sablier dedans exactement au même emplacement pour que ce soit bien symétrique. Donc je les superpose, je prends mon carton plume pour qu'il soit également bien centré. Je superpose tout, je pose et avec mon critérium, je trace à peu près mon sablier, c'est en fait juste pour centrer, hein, pas besoin d'être très précis. Voilà. Les plaques de ma machine de découpe ont bien vécu, mais elles fonctionnent encore très bien. Donc comme quoi, vous pouvez les garder très très longtemps. Alors, je place mon die centré sur ce que j'ai tracé. Surtout, attention à bien superposer les deux feuilles de papier vanille. Et je découpe. Vous voyez, si je les mets autour de mon carton plume, on voit que tout est bon. C'est impeccable, il n'y a rien qui dépasse, c'est propre. Voilà, il y a les bords bleus qui vont se fondre après. Je récupère... Donc sur la partie découpée qui n'est pas censée nous servir, je récupère les petits bouts ici. Vous verrez, en fait, c'est pour que mon travail soit à bonne épaisseur partout. Donc je découpe les deux pattes de ce côté et les deux pattes de l'autre. Et je les mets bien de côté. Je sors mon plioir qu'on utilise sur la plaque de base. Et comme c'est un classeur 3D avec la plaque spéciale embossage à froid, j'ai bien resuperposé mes deux papiers très vanille l'un sur l'autre pour qu'ils soient tous les deux dans le même sens. Alors, hop, je me base sur le trait Stamping Up, en fait, pour les aligner parfaitement. Alors forcément, ça ne se verra pas puisqu'il y aura... un trait vanille d'un côté, un trait vanille de l'autre. Mais ça, c'est mon petit côté maniaque. Je m'aligne sur le trait où est marqué Stamping Up pour que ce soit bien droit, en fait. Donc, les deux seront au même niveau. Voilà, il y a une continuité. Donc, je ferme mon classeur. Je remets ma plaque. Surtout, la pliure doit passer en premier dans la machine pour pas abîmer vos classeurs de gaufrage. Hop, et je passe la machine. J'obtiens donc mes deux papiers gaufrés. Je les mets de côté. Je prends mon quatrième morceau de cardstock très vanille et pareil, je l'embosse. Je l'embosse dans mon classeur d'embossage à froid. De la même manière, je m'aligne sur le trait pour que les écritures soient droites. Et voilà. Et voilà le résultat. Je mets de côté et pendant que la machine de découpe est sortie, je vais découper les tours du sablier. Je sors mes plaques habituelles. Hop.
je prépare mon sandwich. Donc avec le cardstock que vous avez choisi, gris, brun, peu importe, pour faire le tour, on va dire en bois ou en métal de votre sablier. Donc je le pose et je passe une première fois ma découpe. Le die fait de jolis petits dessins. Donc afin que ce soit bien marqué, hop, je passe dans un sens jusqu'au clic et je repasse dans l'autre sens. Comme ça, tous les détails seront bien marqués. Constatez la jolie texture du haut, elle est bien marquée, hein, c'est joli comme tout. Je retourne mon cardstock de couleur et je fais pareil, je découpe une deuxième forme dans l'autre partie. Deux tours de sablier. Donc vous pouvez reprendre vos trois morceaux de papier blanc ou très vanille pour pouvoir les mettre en couleur. Alors j'utilise ma petite brossette qui va drôlement bien. J'encre, j'en mets un peu sur mon tapis histoire de ne pas faire trop de pâté sur ma feuille et je fais des petits ronds. Il aurait été aussi possible d'utiliser la technique que j'ai déjà utilisée sur d'autres de mes tutos, où j'encre carrément le classeur d'embossage à froid et on voit apparaître dans ce cas juste les creux ou les bosses de la couleur qu'on veut. Mais là, j'ai voulu faire carrément quelque chose dans ce genre. Donc vous faites les trois comme ça. Pour les tours de sablier, en fait, je vais ancrer recto verso parce que vous voyez sur les côtés, ça peut dépasser, on peut voir, et donc c'est pareil, c'est toujours dans l'idée de faire un travail fini, donc j'ai aussi ancré sur le verso. Pour le carton plein, ce n'est pas la peine puisqu'il est collé au cardstock, au support de la carte, donc il n'y a pas besoin d'ancrer recto verso. Ensuite, je prends les quatre petites bandes que j'ai découpées de mes sabliers. Et pareil, recto verso, je vais les ancrer, même si normalement elles ne se voient pas. Je me dis que s'il y a un petit bout qui dépasse, ce ne sera pas forcément joli. Donc ça ne coûte rien d'essuyer sa brosse sur les petits morceaux, histoire qu'ils ne se voient pas. Maintenant, je vais coller mes morceaux de papier fenêtre. Donc vous avez le choix, soit vous collez avec le côté doré visible ou le côté argenté. Là, j'ai choisi celui-ci qui est plus dense dans le bas et moins vers le haut. Je les ai coupés volontairement ainsi. Et donc, je vais mettre la partie où il y a le plus de pièces vers le bas, c'est-à-dire dans le sens de l'écriture. Même si après, la carte tourne et que le haut et le bas, ça ne veut plus rien dire. Ça va donner ceci parce que je veux le côté argenté visible. Et donc, je vais coller le papier fenêtre au dos de ma forme découpée. Donc je colle sur l'envers et comme je veux sur la partie argentée qui soit visible, je mets le côté doré vers moi. Et hop, je centre et j'applique. Voilà. Donc, surtout si vous appuyez, prenez plutôt un mouchoir en papier, quelque chose pour éviter de mettre des traces de doigts partout. Puisque c'est du papier fenêtre et que tout marque. Donc ça, c'est la partie collée. Et voici la partie visible. Je fais pareil sur la deuxième. Donc sur l'envers, la partie plus dense vers le bas, l'argenté vers l'extérieur. Languette ancrée, en fait, donc vous retenez, vous remettez votre forme à l'endroit et mes petits morceaux ancrés vont venir se coller à leur place ici. Et comme ça,
lorsque je placerai mon tour de sablier, ça ne fera pas de creux. Donc, je pourrais mettre de la colle sur la bande et ce sera impeccable. Plutôt que sur le papier fenêtre où ça risque de gondoler et de couler, ce ne sera pas aussi net. Avec un gris un peu plus soutenu, là j'ai pris du gris souris, je vais légèrement ancrer pour faire un système un peu vieilli en fait, mon tour de sablier. Et donc le tour va venir se poser comme ceci autour de notre papier fenêtre pour habiller notre sablier. Donc on va coller tout ça. Tenez donc ceci et je vais faire la même chose avec l'autre. Mettre l'un contre l'un face à contre l'autre et ensuite les placer pour voir ce que ça donne afin de les coller ensuite. Et comme ça vous voyez si c'est le bon sens ou pas avant de commencer à appliquer. Il faut qu'en fait on voit le moins possible de carton mousse. Une fois sûr de la façon dont vous allez le placer, hop, vous prenez votre carton plume et vous mettez du sparadrap tout autour et surtout bien le long des bords de façon à ce que les petits cœurs que vous mettrez à l'intérieur ne puissent pas venir se coller entre le papier fenêtre et carton plume. Une fois un premier tour placé, j'enlève déjà tous les caches. Je replie les morceaux qui débordent de façon à ce que ça colle pas partout. Et je viendrai redécouper du double face pour mettre dans les angles, ici, au milieu, là sur les bords pour pas que ça dépasse de trop non plus puisque ça doit coller après au reste du sablier. Thank you.
Alors, ensuite, vous l'appliquez dans le bon sens, sur la forme avec le papier fenêtre, et vous centrez au maximum. Voilà, et attention, parce qu'une fois collé, c'est collé. Donc là, mon petit côté maniaque me fait repérer le sens de l'écriture sur ce carton-là et sur mon carton plein. Hop, je les aligne bien pour les faire bien se superposer. Donc, je prends mon papy Stampin' Pierce. En fait, il y a un côté, donc c'est en mousse, un côté où moi je perce, donc vous voyez, il y a les trous. Et de l'autre côté, en fait, je forme mes feuilles ou mes pétales lorsque je veux leur donner du relief. Donc, je prends mon carton, toujours bien aligné avec l'autre, avec le carton mousse. Je les pose comme ça. Je prends la pointe de mon outil touche à tout et j'essaye de me centrer au milieu du sablier, de la partie que l'on voit du sablier. Hop, et je fais un trou. Ma petite attache parisienne, et là je sais que mes petits cœurs, ça a des petits cœurs rouges, donc je prends un Stampin' Bent et je mets dans le même ton que mes petits cœurs. Voilà, je fais la tête de mon attache parisienne, je laisse un petit peu sécher maintenant, et là je viens accrocher mon sablier sur la carte de fond avec l'attache parisienne. Hop. Et voilà, il y a déjà la forme qui est prête. Alors, les petits cœurs, pour les découper, alors c'est là où c'est rigolo, hein, on s'amuse bien. Donc moi, je l'ai fait avec la mini machine. Et j'ai utilisé le die qui va avec le set de tampons. C'est celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et en fait, donc, j'ai gardé les formes du tour parce que ça peut toujours resservir. Et j'ai utilisé les mini-cœurs pour mettre à l'intérieur de mon sablier. Donc, vous voyez, j'en ai plein. Ils sont faits d'avance parce que là, sincèrement, si je devais les faire tous avec vous, bah, je passerais un temps fou. Alors, avant de mettre mes petits cœurs, je vais déjà scotcher à nouveau tout mon carton mousse comme de l'autre côté. C'est exactement le même principe, en s'approchant bien du sablier et des bords, de façon à ce que les petits cœurs ne glissent pas et restent accrochés sur les côtés. Ce serait dommage. Donc là, tout mon scotch double face est découvert. Donc vous voyez, ici, j'ai des bouts un peu trop grands. Donc je les replie et je les remets vers l'intérieur. Hop. J'enlève bien les petites poussières. Il y en a toujours. Alors là, vous voyez qu'on peut recoller hop, l'autre face. Surtout, n'oubliez pas à ce moment-là de mettre les petits cœurs. Et alors, faites attention parce qu'avec l'électricité statique, étant donné que c'est du plastique, il y a des moments où ça vole et ça va sur le sparadrap double face. Donc, il faut être un petit peu délicat, ce qui n'est pas toujours mon cas. Vous mettez la quantité que vous souhaitez, hein, en pensant quand même qu'il y a du volume. Donc voilà, je me rends compte que j'ai pas enlevé tout le scotch. Voilà. Alors, et maintenant, petite touche finale. Donc faites attention si vous avez choisi, par exemple, qu'ici il y ait plus de densité que de l'autre côté. Quand vous allez refermer, de faire pareil en face. Évidemment, je vous dis de faire attention et comme je disais, je suis pas très délicate, donc j'en fiche partout, voilà. Et là, on recolle en faisant bien attention d'être bien droit. C'est là que parfois ça peut voler le long du plastique, les petits cœurs. Oh, merveilleux. Et là, hop, on colle bien toutes les parties contre le carton mousse, de façon à ce que rien ne passe.
voyez. Là, on est pas mal. Les petits cœurs, ils passent superbement bien. Et ensuite, on reprend notre base de cartes et on colle comme ceci. Plus de colle que d'habitude parce que c'est quand même un petit peu plus lourd que ce qu'on peut coller habituellement. Vous remarquerez que je n'ai pas passé de colle sur l'attache parisienne pour laisser le mouvement se faire correctement. Donc je vérifie le sens de l'écriture et hop, j'essaye de coller à l'endroit en laissant une marge à peu près identique de chaque côté. Hop, je tourne d'un quart de tour mon sablier et comme ça je peux bien coller mon fond. Parce que le but c'est que ça reste bien accroché. Et voilà notre carte shaker et qui tourne par-dessus le marché est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si cela vous a plu et à poser des questions. Voilà. Bonne journée, bonne fin de journée à vous. Au revoir, à bientôt.